Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de nouvelles applications. On va parler des nouveautés Google Home. Et vous allez voir, il y a quelques petites applications très sympathiques qui ont été mises à jour ou qui viennent tout juste de sortir. Comme d'habitude, je vous fais profiter de toutes ces applications sur le Google Home. J'espère que cette vidéo vous plaira. Pensez bien à vous abonner à la chaîne et je vous dis donc à tout de suite pour la suite de la vidéo. On a donc des nouvelles applications sur notre Google Home. Je vous mettrai, si vous me le demandez, dans les commentaires, toute la liste des mots-clés pour activer les différentes applications sur votre Google Home. Surtout, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je vous les enverrai directement. Ensuite, ces nouvelles applications vont pouvoir vous aider à faire différentes choses. Des recherches, par exemple, sur différents horaires, des recherches sur des programmes télé, puisque une application a été mise à jour. Alors, il y a pas mal de choses et aujourd'hui, on va commencer par l'application Transport Paris, car beaucoup de personnes en situation de handicap, déficientes visuelles, prennent le métro de Paris et on ne sait pas à quel moment est le prochain métro. Eh bien, aujourd'hui, grâce à l'application Assistant Google, on va pouvoir le savoir en demandant à l'assistant la ligne que l'on va prendre. Et ceci sera donc compatible sur smartphone et sur votre Google Home. Comme l'enceinte ne peut pas être transportée dans une poche, vous allez pouvoir bénéficier de cette application à partir de votre smartphone. Et pour cela, il va falloir lancer le mot-clé Parler avec Transport Paris. Bien sûr, voici Transport Paris. Salutations, comment puis-je vous aider? Prochain métro, Porte d'Italie. Voici les prochains passages de métro à la station Porte d'Italie, ligne 7, destination Mairie d'Ivry, Villejuif-Louis-Aragon dans 7 minutes, 12 minutes, 16 minutes, destination La Courneuve 8, 5, 1945 dans 1 minute, 9 minutes, 18 minutes. Alors ça c'est vraiment génial puisque si vous prenez le métro, vous êtes sur le trottoir, vous allez savoir dans combien de temps le prochain métro passe. On s'en fait une petite dernière et on passe à la prochaine application. Salutations, comment puis-je vous aider? Métro Galigny. À quelle station? Galigny. Voici les prochains passages de métro à la station Gallieni, Parc de Bagnolet, ligne 3, destination Pont de Levallois-Bécone dans 2 minutes, 5 minutes, 8 minutes, destination Gallieni, Parc de Bagnolet dans 0 minutes, 2 minutes, 4 minutes. Voilà donc, n'hésitez pas si vous êtes donc à Paris, de profiter de cette application, elle peut être très utile. Allez, on passe donc à la prochaine application, c'est parti. Pour cette deuxième application, on va donc parler de la ville de Épinay-sur-Orge. Ils ont donc développé leur propre application et cette application va vous permettre d'avoir différents horaires, différentes choses qui se passent dans cette ville. C'est vraiment très sympathique, d'ailleurs, un grand bonjour à tous les habitants qui me regarderont sur la chaîne. Pensez bien donc à vous abonner et on va demander à notre Google Home de parler avec le petit spinolien. Très bien, je vous mets en relation avec Petit Spinolien. Bienvenue à toi Spinolien. Pour le moment, je peux te répondre sur les informations pratiques sur la ville d'Épinay-sur-Orge et t'aider dans certaines démarches administratives. C'est parti. Mairie horaire. La mairie est ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30. Cet été, entre le 1er juillet et le 31 août, la médiathèque est ouverte le mercredi entre 10h et 12h30 le matin et 14h et 18h l'après-midi, le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h30. Voilà, donc si vous passez par Épinay-sur-Orge, vous allez pouvoir avoir tous les renseignements à partir de cette application. Et bien sûr, lorsqu'on fait les demandes à notre enceinte connectée, la Google Home, vous allez pouvoir vous servir de toutes ces applications
à partir de votre smartphone ou de votre tablette. On passe donc à cette petite troisième application qui est très sympathique, car si vous avez un chien, vous aimeriez peut-être plus le connaître. Une application existe sur ça avec notre Google Home et vous allez pouvoir apprendre vraiment beaucoup de choses sur votre chien. C'est sympa, c'est pour vous. J'espère que la vidéo vous plaît. Pensez bien donc à vous abonner à la chaîne et on va demander à notre Google Home de parler avec les chiens sont géniaux. Bien sûr, voici les chiens sont géniaux. Les moustaches de votre chien l'aident à voir dans l'obscurité. Votre chiot âgé d'un an est aussi mature physiquement qu'un humain de 15 ans. Votre chien a un sens du temps et vous ment quand vous êtes parti. Votre chien peut sentir vos sentiments. Voilà donc cette application, à chaque fois vous donnez le mot-clé « parler avec les chiens sont géniaux », elle vous donne une petite astuce que votre chien peut avoir par rapport à vous, peut avoir par rapport à lui. C'est vraiment sympa, n'hésitez pas à aller lui demander de temps en temps « les chiens sont géniaux » et vous allez en apprendre beaucoup sur votre chien. Allez, la petite dernière et on va se laisser pour une prochaine vidéo. On va demander Télé Loisirs. Très bien, je vous mets en relation avec Télé Loisirs. Bienvenue sur Télé Loisirs. Voulez-vous écouter le programme de ce soir, d'une chaîne ou d'une heure, ou la sélection de la rédaction? Programme de ce soir. Ce soir, à 21h, sur TF1. Camping Paradis, à 20h55, sur France 2. Le meilleur des années bonheur, à 20h55, sur France 3. Les années perdues, à 21h, sur Canal+. L'atelier, à 20h55, sur France 5. Au bout c'est la mer, à 21h, sur M6. Audition secrète. Voulez-vous écouter le programme de ce soir, d'une chaîne ou d'une heure, ou la sélection de la rédaction? Sélection de la rédaction. Télé Loisirs vous propose, à 21h, sur Canal+. L'atelier, à 21h, sur C8. Un drôle de paroissien, à 21h, sur TF1 Série Film. Poulet au vinaigre. Voulez-vous écouter le programme de ce soir, d'une chaîne ou d'une heure, ou la sélection de la rédaction? Stop. Voilà donc, cette application a été mise à jour. Voilà pourquoi je vous en ai fait profiter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle touche à sa fin. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Pensez à la partager, à liker, abonnez-vous. On arrive bientôt aux 10 000 abonnés. Merci à vous. Salut à tous.